Wesh, c'est une dinguerie, mais les gars, le huge lucky block que j'ai eu en bleu, je suis trop content. Dans cette vidéo, les gars, il y a un méga concours pour gagner un livre Huge Hunter, donc c'est ceux-là. Ils valent quand même 10 millions de gemmes, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Et vous pouvez dire merci Phoenix dans les commentaires, parce que Phoenix, c'est un abonné qui aime bien régaler les autres abonnés. Et pour participer, n'oubliez pas, mais c'est vraiment très simple, vous mettez votre pseudo dans les commentaires. Surtout les gars, n'oubliez pas que si vous ne participez pas, vous ne pourrez jamais gagner. Alors que si vous participez, vous aurez quand même une petite chance de gagner. Donc bonne chance à tout le monde. C'est parti pour tirer au sort le vainqueur de la dernière vidéo. Par contre, le site il a changé, il est trop moche comme ça maintenant. Mais bref, on s'en fout. Et donc le vainqueur, ZFR Yuji, mon pseudo ZFR, please je gagne. Eh bien, please, tu as gagné. GG à toi. Oh, oh, trop bien, les gars. Le site, il a changé. Regardez ce qu'il y a écrit. Donc, en gros, tous ceux qui spamment maintenant, j'ai même plus besoin de supprimer leur message. Le site, il le fait tout seul. Bah, ça, c'est trop bien. Du coup, c'est parti pour envoyer le petit cadeau, les gars. On met son pseudo. On va lui envoyer directement le petit pet. Hop, le petit Sasuke, juste là. GG, tu as gagné. Oui, envoyé. Cadeau envoyé. Merci infiniment les gars aux abonnés qui m'ont envoyé des cadeaux. Vous vous reconnaîtrez dans les commentaires. Et si vous voulez m'envoyer un cadeau vous aussi, n'hésitez pas en écrivant Prince END comme ceci. Et vous aurez ma petite tête qui va apparaître. Ok les gars, du coup c'est parti pour aller dans les Lucky Blocks. Juste ici on voit le Huge Chroma Lucky qui vaut 80 millions. Et pourtant il n'y en a que 26 000. Enfin c'est beaucoup 26 000 Huge. Le Rainbow, il n'y en a que 200. Par contre j'ai pas l'impression qu'il y ait le Gold, c'est trop bizarre. On dirait que le Gold il y est pas. Ça se peut qu'il y soit pas en vrai parce qu'en fait, c'est un pet qui change de couleur si je dis pas de bêtises. Donc s'il change de couleur, bah s'il est que en gold en fait, ça c'est débile. Parce que tu vas pas voir les couleurs, ça veut dire qu'il est juste doré. Alors que le rainbow, c'est un petit effet arc-en-ciel tu vois. Enfin bref, vous avez compris. En tout cas, c'est parti pour aller essayer de les choper. D'ailleurs, voilà où est-ce que c'est. Pour ceux qui veulent le faire sur la map, c'est au truc 87. Et bah c'est parti, let's go. Donc là les gars on va commencer à faire des petites vidéos sur les mini-jeux. D'ailleurs attends, il faut que je mette mes pets. Donc les gars on va commencer à faire des vidéos sur les mini-jeux. On va essayer de faire tous les mini-jeux parce que vous le savez mais j'ai déjà fait des vidéos sur les coffres. J'ai fait des vidéos sur les roues aussi. Enfin bref, tous les huge j'ai fait des vidéos dessus. Et donc là on va maintenant commencer à faire les huge des mini-jeux. Je sais qu'il y a le huge slime rainbow. Il y a le huge de la pêche. Le huge fossile quand tu creuses etc. Enfin, il y a plein de huge, les gars. Et donc, bah, on va commencer les petites vidéos pour avoir tous les huge du jeu. Parce que si vous l'avez pas, si vous l'avez pas compris, bah, moi, c'est ça que j'aime faire. J'aime bien essayer d'avoir tous les huge du jeu. D'ailleurs, petit spoil, les gars, mais le huge du Lucky Block, je l'ai déjà. Bon, alors, je l'ai pas packé moi-même, je vous rassure. Mais je l'ai acheté à quelqu'un. Oh, un rainbow. Les rainbows, c'est ultra rare, les gars. Quand vous avez un rainbow, vous avez 5000... Et dès que vous atteignez la barre de 10 000, il y a un bloc noir qui apparaît. Regardez, attention. Il est où, il est où? Hop, il est là. Vous voyez, dès qu'il y a un bloc noir qui apparaît, c'est parce que vous avez cassé 10 000 lucky blocks. Et le rainbow, ça vous donne 5 000. Donc c'est pour ça que c'est plutôt rare. Bon, moi, je l'ai détruit assez vite quand même, en vrai. En vrai, je l'ai détruit assez vite, je trouve. Du coup, c'est parti. On va essayer d'en faire le plus possible. Je crois que d'ailleurs, il y a une limite maximum. Je crois que quand tu casses 3 ou 4 blocs noirs, bah ça te termine le jeu. Donc voilà. La technique évidemment c'est de casser le plus de blocs roses ou même les bleus aussi. Les bleus et les roses les gars vous en cassez un max. Ça d'ailleurs c'est un mini jeu que je ne fais presque jamais. À l'époque je le faisais beaucoup avec mon pote mais malheureusement j'ai un peu abandonné. Parce qu'en fait c'est 15 minutes, c'est très long. Enfin en fait j'ai trop la flemme les gars. J'ai trop la flemme de faire ce mini jeu tous les jours. Même pas tous les jours, des fois c'est 3 fois par jour et tout. Enfin la grosse flemme. Donc c'est pour ça que je préfère ne pas le faire. Oh, il y a un abonné qui nous a rejoint. Il va nous aider à casser les trucs plus vite. Je vais leur dire d'ailleurs, venez Lucky Block. Hop, on continue. Et je sais même plus de quoi je parlais. Ah ouais, je disais que j'avais la flemme de faire le mini-jeu. En même temps les gars, c'est normal. 15 minutes et tout, faut faire ça tous les jours, j'ai la flemme. Mais les gars, comme je veux tous les huge du jeu, et bah je vais essayer de tryhard, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Je vais essayer de tryhard le mini-jeu. Et puis je vous ferai une partie 2 dès que je l'ai obtenu. Si jamais un jour je l'ai hors vidéo, bah je vous ferai une partie 2. Toutouloum. Hop, on continue. On est bientôt au deuxième lucky. Oh, j'ai trop de chance mec. J'ai trop de chance aujourd'hui. J'ai trop de chance. Je vous jure le lucky block rainbow les gars, d'habitude je l'ai jamais. Peut-être qu'ils ont amélioré les drops, j'en ai aucune idée. Mais je l'ai jamais d'habitude, il est super rare.
C'est trop bien, c'est trop bien. Hop. Attention, le deuxième. Qu'est-ce qu'on a de beau? Et non, pas le huge, malheureusement. Je pense que tu peux avoir le huge dans tous les lucky blocks. Mais je pense que t'as plus de chances de l'avoir dans un noir. Ce qui est normal, en vrai. Allez, 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 allez. Hop. D'ailleurs, vous voyez que je casse plutôt vite les lucky blocks. Si jamais il y en a, ça les intéresse, je vous laisse regarder. Attendez. Hop. Voilà les enchantes que j'ai mis. J'ai mis que des trucs de dégâts, les gars. Et j'ai mis un peu tout et n'importe quoi, en vrai. C'est peut-être pas le meilleur technique. D'ailleurs, oh oui, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, c'est quoi la meilleure technique pour faire le plus de dégâts possible avec vos pets? Non, pas avec les pets. Oh, trop stylé. J'ai eu des quêtes. Pas avec les pets, pardon, mais je veux dire avec les livres. C'est quoi la meilleure technique? Parce que moi, vous voyez, j'ai mis un livre de chaque. Vous voyez, tap power, strong pet, critique, meilleur pet, magic orb, lightning, casser les coffres, fire feu, tap radius. Mais ça se trouve, la meilleure technique, c'est soit mettre que des coups critiques. J'en sais rien. Ça se trouve, c'est juste tap power. Enfin, tu vois, il y a forcément une technique qui marche mieux que les autres. Donc, vous me direz en commentaire, les gars, si jamais il y en a qui savent. Me dites pas des bêtises. Ok, on est bientôt au troisième lucky block. Allez, allez, allez. D'ailleurs, de base, je vous tease un peu pour les prochaines vidéos. Ah, mais elle sera peut-être finie, d'ailleurs. Ah ouais, merde. Je voulais faire une vidéo sur l'event de la Saint-Patrick, vous savez. L'event de la Saint-Patrick, pour avoir le huge. Mais malheureusement, bah, j'ai oublié que l'event va peut-être être fini. Oh, troisième lucky block, let's go. En fait, je pense que l'event de la Saint-Patrick, les gars, il va être fini last weekend. À la nouvelle mise à jour, je pense qu'ils vont enlever l'event. Aucune idée. À tout moment, ils le laissent, mais je pense pas. Donc je suis un peu triste, malheureusement. Parce que je voulais faire une vidéo dessus, mais... Mais en fait, c'est toutes les 4 heures et c'est trop chiant. Ça veut dire 21h, 25h... Ça n'existe pas. Oh, le gogol. J'ai dit 25h. Non, 1h du mat... Ah, peut-être à 1h. Ah, vous savez quoi? À 1h du mat, je vais essayer. Ok. 1h du mat, je pense, je vais essayer de le faire. On verra ce que ça donne, les gars. Si vous voyez pas de vidéo Saint-Patrick, c'est parce que j'ai raté l'event, malheureusement. En plus, regardez, j'ai 33 millions. Là, il faut vraiment que je le fasse. Il faut vraiment que je le fasse. Parce qu'à tous les coups, je l'ai, on sait jamais. Donc, je vais essayer de le faire l'event Saint-Patrick. Ça se trouve, d'ailleurs, cette vidéo sur les Lucky Blocks, elle sortira après celle de la Saint-Patrick. J'en ai aucune idée. On verra. Allez, allez, on continue. Boum, 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 boum. Il n'y a plus beaucoup de lucky block rose là par contre. Ah là il y en a un. Allez allez hop hop hop. Il nous en faut encore plus. Moi je sais que à l'époque on avait détruit tellement vite les lucky blocks les gars que carrément le mini-jeu il nous avait kick du mini-jeu. Parce qu'on allait beaucoup trop vite. Oh, Phoenix qui me demande, il me reste combien de temps? Je vais lui dire 9 minutes. Hop. Boum boum. Allez, on est bien presque. On est presque au quatrième. Hop hop hop. Allez 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 allez. C'est parti. Go go go. D'ailleurs, ce jeu, je vous conseille de le faire avec vos potes, les gars. Parce que ça va beaucoup plus vite. Comme ça, vous cassez tous les lucky blocks. Et puis, c'est magnifique. Parce que sinon, c'est méga long, frère. C'est méga long. Hop, on y est presque ou pas là? Ah ouais, on y est presque. Allez, 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 allez. Le lucky block noir, où est-ce qu'il est? Et c'est bon, il va apparaître normalement. Oh bah juste là, oh trop stylé. Il est doré, pour la miniature les gars. Pour la miniature. Attends, j'essaye de faire une belle miniature. Oh là là, incroyable. Ça je pense ça va être une belle miniature. Un lucky block doré. Allez, 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 allez. You have hit the black lucky block, je sais pas quoi. Ah ouais, vous voyez, regardez. En fait, quand on détruit 4, les gars, ça se coupe. Regardez, il y a marqué 10 secondes. Ça, c'est vraiment triste, ça. Ça veut dire qu'il nous oblige à faire juste 4 lucky blocks. Et si jamais t'es trop rapide et que t'en fais plus, bah t'as pas le droit. C'est un peu triste. Bon, bah en tout cas, voilà. Plutôt stylé. Oh, il y a un bonus déjà. Alors du coup, on va vérifier si on l'a eu. Malheureusement, je l'ai pas eu. Malheureusement. Bon bah les gars, c'est triste, hein. C'est triste.
Ok les gars, c'est parti pour la deuxième partie du Lucky Block Challenge. Et donc bah là on va continuer à faire le mini-jeu jusqu'à avoir le huge, j'ai envie de vous dire. Donc c'est parti mon kiki. D'ailleurs je crois que dans la dernière vidéo vous m'aviez dit que mon micro était pas assez fort. Mais je sais pas comment je peux régler ça les gars. Parce que je mets mon micro collé à ma bouche. Et en plus de ça j'essaye de parler super fort. Donc je sais pas c'est quoi le problème. Je pense que c'est juste mon micro qui doit être un peu pété. Donc c'est un peu triste. Bon en tout cas c'est parti. On est avec Emilien, avec quelques abonnés. Donc on va essayer de faire le Lucky Block pour avoir un max de Lucky Block. Et donc je vous rappelle que pour avoir le huge, il faut avoir plein de Lucky Block noirs. Ah mais là ça va super vite. Les gars on est 3 ou 4 dans le mini-jeu. Regardez tous les pets, c'est incroyable. Mais du coup en fait je crois que dans le mini-jeu, quand t'arrives à peu près à 3 ou 4 Lucky Block noirs, eh bien... malheureusement, tu ne peux plus en faire. Donc, je pense que là, on va aller très très vite. Donc, faut qu'on croise les doigts. Allez, 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 allez. Attention, j'ai eu quoi? Et je crois que je n'ai pas eu le huge, malheureusement. C'est un peu triste. C'est un peu triste. Mais c'est pas grave. Il nous reste encore 2 ou 3 Lucky Block. D'ailleurs, vous dites Lucky Block ou Lucky Block? Moi, je pense qu'il faut le prononcer à l'anglaise. Lucky Block. Ok, bref. J'arrête de dire des bêtises et on continue. D'ailleurs, si vous n'êtes pas assez fort pour faire ce mode de jeu, les gars, je vous conseille de le faire avec soit des amis à vous qui sont haut niveau, soit vous cherchez des gens haut niveau dans le serveur, etc. Oh, d'ailleurs, attendez, je viens de voir, mais il y a quelqu'un dans le mini-jeu qui a le huge propeller 4. Vous vous rappelez le huge des tickets, les gars? Oh, moi, je l'aimerais trop, celui-là. Oh, le lucky block noir, il a encore spawn. Attends, mais les gars, je crois qu'on va super vite, là. Là, on va méga, méga vite. Ok, c'est parti pour le deuxième lucky block. Attention, suspense et... Allez, dis-moi que j'ai un truc de fou. Oh, en vrai, ça va. J'ai une potion, 5, un bundle de fruits. Ok, ça va, ça va. C'est pas si pire, on va dire. Hop. Du coup, là, les gars, cette partie de la vidéo, je la tourne à peu près une ou deux semaines après la première partie. Ah non, une semaine après. Pardon. Je croyais que c'était il y a méga longtemps, mais en fait, non, ça va. Parce que, en fait, bah, y a eu la mise à jour entre-temps, les gars. Il y a eu la mise à jour... Et pour ceux qui le savent pas, mais je vais faire une vidéo, les gars. Oh, il y a déjà le Lucky Block. Je vais faire une vidéo pour toutes les manières d'avoir un huge. C'est-à-dire que chaque mini-jeu, chaque clé, chaque truc où tu peux avoir un huge, eh ben, je vais faire une vidéo dessus, les gars. Comme ça, je vais essayer d'obtenir tous les huge du jeu. Donc, c'est plutôt cool, je trouve, comme concept. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis, ceux qui veulent déjà regarder sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà fait une vidéo pour les huge des coffres. Donc, Agony, le Westie, J'ai aussi fait pour les tickets aussi les gars. J'ai fait le ticket technologique, le ticket normal. Et il y a encore le Lucky Block. Attends mais on est en train de speedrun là. On est en train de speedrun. Et donc là les gars je pense qu'on va s'attaquer aux mini-jeux maintenant. On va faire les huge des mini-jeux. Ok attention. Et non malheureusement. Je n'ai rien eu. Dommage, dommage, dommage. D'ailleurs ça serait trop stylé qu'en 10 secondes on arrive à... On arrive à faire le truc. Allez, 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 allez. Ce serait trop bien qu'en 10 secondes, on puisse faire un autre Lucky Block. Regardez, on y est presque. Ah, dommage. Bon, bah, GG, les gars. Et donc, malheureusement, on n'aura pas eu le huge cette fois-ci. Ok, les gars, regardez où est-ce que je suis. Je suis devant l'exclusive Daycare. Et regardez-moi ça, les gars. Depuis 26 jours, en gros, depuis la dernière mise à jour, j'ai mis mes huge dans ma Daycare. Je vous montre ce que j'ai mis. J'ai mis le huge Pumpkin Cat que j'ai renommé Pumpkin, trop mignon comme pseudo. Le Cupid Corgi, les gars, je l'ai renommé Cute Pidon. Oh, le petit jeu de mots, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et le huge Chroma Lucky, qui est justement le huge de la vidéo, les gars. Le huge Lucky Block que j'ai eu en bleu, je suis trop content. Eh bien, les gars, je l'ai mis dans la daycare. Il s'appelle Lucky Luke. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez de mes petits surnoms, les gars, ils sont plutôt cool. Et du coup, bah malheureusement, je peux pas vous faire un petit showcase et vous montrer mon huge Lucky Block vu qu'il est dans ma daycare. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que, wesh, c'est une dinguerie, mais les gars, je vous promets que quand ils ont buff la mise à jour, maintenant je gagne 600 000 de diamants. Quand je récupère mes diamants, les gars, celui-là il me donne 600 000, celui-là 600 000 et celui-là 400 000. C'est-à-dire que je gagne 1 400 000 diamants par jour. Et en vrai, c'est énorme. Mais du coup, ce que je devrais faire, les gars, c'est de rajouter plus de huge dans ma daycare. Mais ça coûte vraiment trop cher, donc je sais pas. Dites-moi ce que je devrais faire en commentaire, les gars, parce que vous voyez que j'en ai quand même pas mal des huge. Donc voilà. En tout cas, c'est carré.